Bonjour Christine, Bonjour. gratitude pour ta présence. Merci d'être venue dans notre retraite spirituelle. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici à Saint-Nexant, Dordogne? C'est l'univers qui m'a fait venir L'univers. ici. Comment il t'a dit, va voir Sébastien? Suis tombée sur ta vidéo où c'était dialogue avec l'être. Ah oui. Hein? Et je suis tombée dessus et après j'ai voulu creuser, j'ai creusé, j'ai creusé et j'ai trouvé qui tu étais. J'ai apprécié comment tu fonctionnais, ce que tu disais aux gens, aux personnes. Et du coup, bah, j'ai vu que tu faisais des retraites. C'est comme ça que je me suis inscrite 8 jours Ah après. oui, tu me connais depuis un mois, toi, c'est Ah oui, ça? c'est ça, c'est à moi. J'ai revérifié Waouh! tout à l'heure, ça fait le 6, 3 juillet. Donc, tu avais eu le temps de voir combien d'émissions et J'en ai combien pas de beaucoup méditations? regardé, j'en ai pas beaucoup regardé parce que je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui aime l'aventure, qui aime voilà les nouvelles expériences, dirons-nous. Et voilà, donc je suis très heureuse d'être venue. Ça répond, mais totalement, j'avais pas d'attente particulière et je suis Donc fantastiquement l'univers a eu contente. raison de t'envoyer là. Exactement, c'est ce que Alors, je. est-ce que tu sais pourquoi il t'a envoyé ici du coup? Maintenant, je devrais le savoir. Est-ce que tu as une idée de pourquoi il m'a envoyé faire une semaine? Déjà, je souhaitais faire une semaine depuis très longtemps. Je m'étais dit, ce serait bien de faire une semaine de déconnexion, hein, de déconnexion, de retour à la nature, de yoga, d'écoute de moi, d'échange, etc. Voilà, ça, je pense que l'univers m'a aidé à ça. Qu'est-ce que tu as trouvé ici du coup alors? Comment tu as trouvé le yoga, l'initiation Shaktipat? Très bien, j'ai jamais fait vraiment de yoga, moi. J'ai essayé, mais je pensais pas que c'était vraiment mon truc. Donc, je faisais du pilates, que je trouve un petit peu similaire, hein, disons, Ah, par certains c'est points. bien aussi le Pilate. Et du coup, c'est vrai que bah, le yoga, ça m'a vraiment plu. Les postures, j'ai vu au fur et à mesure de la semaine que j'arrivais à mieux les tenir, parce qu'au début, c'est compliqué. Bon, je suis très souple, c'est vrai, je suis très souple. Donc, j'arrive à faire les choses, mais sur la longueur, c'est un peu compliqué. Mais au final, au fur et à mesure que ça avance, voilà, Et il y ça avait s'est du bien passé. plaisir ou pas pendant les Oui, étirements? il y avait du Oui. Ah, plaisir, oui, tout à ça fait, du commence la plaisir. jouissance de l'étirement Voilà, alors. c'est ça. Je vais Ça pouvoir en va venir, parler ça va aussi. Ah venir. oui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi quand on faisait les om, ou Ah les oui. rames, les yams, etc. C'était très, très T'aimes fort bien aussi. ça? Oui. Ça nous emporte, hein, ça Oui, tout nous à fait. porte. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un plus indéniable, je trouve, par rapport aux postures, aussi simplement. Oui, et la respiration aussi, Aussi hein. la respiration. Alors c'est ça maintenant. Très Alors déjà important. j'étais connectée. Alors j'essayais de me connecter à mon corps à mon ventre pour respirer. Mais là ça y est de plus en plus. Là je me disais c'est voilà vas-y continue c'est comme ça. Même si des fois la posture l'emportait sur la respiration encore. Mais bon je suis en progression. Je vais pouvoir continuer chez moi. En rentrant. Et l'initiation Shaktipat, comment t'as trouvé? Alors j'ai trouvé ça très très fort parce que vraiment se connecter à toi de cette manière, je vibrais de tous les côtés. Ah oui, t'es sensible aux vibrations. Ouais, c'est Ah. vrai que je ressens les vibrations et puis de plus en plus, ça me fait aussi bien souvent des frissons. Voilà, des frissons, des vibrations. Oui, j'ai l'impression que c'est justement ça a affûté un petit peu ça parce que j'étais déjà comme ça. Mais là, avec ce qu'on a pu faire par ailleurs, je ressentais vraiment les énergies, les vibrations, je ne sais pas, enfin, je ressentais quelque chose vraiment dans mon corps, de plus en plus. Et les petits jeux tous ensemble, les yeux dans les yeux, comment Très t'as trouvé le nous, sympathique. les rencontres avec les autres? Ouais, ça c'est important aussi, effectivement, nous, ben, c'est nous, c'est jeu, c'est nous, c'est le jeu du nous et du nous du jeu, je ne sais Mais pas. c'était sympa de rencontrer les gens et Oui, tout à fait. Ouais, de de parler vous. de ce que j'aime, de ce que j'ai Aussi, envie. ouais. Et puis, c'est vrai que ça fait du bien de s'entendre dire aussi, bah, je t'aime, je te trouve, voilà ce que je trouve en toi, etc. Ça Ce que j'aime chez renforce, toi. voilà, ce que j'aime chez toi. Ça nous renforce, évidemment. Et donc, on se renforce de cette manière-là aussi. On se rend compte que c'est pas forcément facile pour certaines personnes d'exprimer leurs besoins.
Voilà, mais bon, moi je pense que je n'ai pas de ce souci de ce côté-là. Et la structure d'acte psychomagique, comment tu as trouvé ? On a fait 9 structures tous ensemble d'ailleurs. Tout à fait. C'était comment ça ? Alors, c'est vrai que donc, je me suis retrouvée par hasard ou pas dans un groupe, on était 4. Et on s'est tout de suite très bien entendu, là aussi, dans tous les groupes, hein, de toute façon, on s'entend très bien. Je me suis très bien entendue, mais là, c'est vrai qu'on était sur les mêmes problématiques, on a trouvé tout de suite le lieu qui nous parlait à tous les 4. Voilà, et on a mis ça en place, tous ces objets. C'était intéressant de faire la structure ensemble. Exactement. Et après, quand tout le monde vous a apporté des cadeaux, oui, des modifications, aussi. Comment c'était ? Ben, c'est vrai que ça change tout. Ça a beaucoup changé, du coup, notre structure, ma structure aussi. Ça a beaucoup changé, mais en tout cas, ça m'a enrichi de ce point de vue-là. Est-ce que tu as vu le besoin qu'il y avait ? Qui n'était pas visible au départ et que la structure a révélé finalement. Est-ce que ça éclaircit un peu ? Le besoin du coup de travailler aussi en groupe, d'être ensemble. C'était osé toi, je crois. Moi, c'était osé, s'affirmer. Je pense que déjà, je le fais, déjà par rapport à mon parcours. C'est aussi créer cette histoire de création. Créer à plusieurs, c'est ça qui t'a aidé. Oui, exactement. C'est ça que tu as compris. Oui. Okay. Ouais, voilà. Créer à plusieurs, je pense que ça va me renforcer aussi. Ça va m'aider à avancer aussi. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je suis pas mal seule de ce que je fais. Ça me manque, oui. J'ai eu un peu, j'ai fait une expérience il n'y a pas très longtemps où j'avais une équipe avec moi autour. Et c'est vrai qu'au final, bon, ça s'est arrêté, mais ça me plaisait vraiment d'être à plusieurs. On est plus dynamique à plusieurs. Les idées fusent différemment. Voilà, on s'échange. C'est constructeur d'être à plusieurs. Comment tu as trouvé la cuisine ici ? La cuisine, c'est un hôtel, un restaurant 4 étoiles chez toi. Tu devrais le faire mettre au Goemio, je ne sais pas. Mais non, très très bien. Très diversifié, très bon. Des produits locaux, frais. Qu'on achète au marché tous les dimanches. Voilà. Pour la plupart. Ouais. Et le mesclin, du potager. Très bien aussi. Bon. Oui, oui. C'est vrai que c'est de la salade dont je n'ai pas forcément l'habitude. Je mange plutôt des produits mieux, plus calibrés. Je dirais, voilà. Je mange des produits plutôt calibrés. Et là, la diversité aussi, de couleurs aussi, de textures. Ah oui, dans le mesclin, il y avait des feuilles de chiseau. Amarante bicolore. Il y avait plein de feuilles différentes. Oui, c'est ça. C'est ça. Feuilles de betterave. Aussi betterave, oui. Ça, j'ai... Il y avait vraiment plein de choses. Plus toutes les tomates noires de Crimée et tomates ananas. Et tout qui vient du marché, il n'y en a pas une calibrée parce que c'est quasi bio. Ça vient du potager du marchand. Mais très, très goûteux. Puis surtout les glaces. Ma préférée, c'est Nouvelles notre coco ananas. Ok, coco ananas, d'accord, j'en fais une tout à l'heure. Ah oui, ça devrait aller avec le chocolat d'ailleurs. Oui, on a déjà chocolat, je vais rajouter coco ananas. J'étais très contente de la faire avec toi d'ailleurs tout à l'heure. Là. Ah oui ? Glace au chocolat. Eh ben, tout à l'heure, on refait coco ananas si d'accord, tu veux. D'accord, ça va bien. Oui. Après, tu verras comment on l'a fait. Et moi, j'avais mes myrtilles fraises aussi, qui étaient peut-être bien. Donc, tu étais contente de... Enchantée. Je ne reste pas une deuxième semaine pour le moment, mais... J'entrevois effectivement, pourquoi pas, de revenir l'année prochaine. Certainement, pourquoi pas. Pour qui ce genre de retraite spirituelle, de stage ? C'est pour qui Quel genre de profil ou qu'est-ce qu'on vient trouver ici ? Qu'est-ce que ça fait ? Comment ça change la vie en fait ? Ça s'appuie où on a des blessures. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça libère ? Justement, du coup, on prend conscience de ses blessures et du coup, de cette manière, je pense que effectivement, ça les libère aussi. Des blessures ou des schémas ? Aussi, des schémas, c'est vrai, des schémas également. Ça les libère puisqu'on les conscientise. Exactement. Donc, voilà.
Et ça, c'est vrai que c'est vraiment transformant. Ment. Oui. Et ça serait, donc c'est pour qui en fait tu recommanderais Pour à tout le qui? monde qui se pose des questions, qui se sent pas bien dans sa vie, qui a peut-être des douleurs physiques aussi. Certains ont des douleurs. Et avec le yoga, avec les discussions qu'on peut avoir ensemble, avec toi, ta clairvoyance aussi, ce que tu apportes des, enfin, tu ouvres des portes, en fait. Tu ouvres des portes de notre intérieur. En quoi c'est utile et pratique la clairvoyance? Utile et pratique, ça met les mots sur des choses peut-être que l'on ressent ou qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas peut-être les problématiques qu'ils ont, mais en tout cas, ça met là aussi l'accent sur ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à faire. Et oui, c'est toujours très pertinent ce que tu nous dis. Ça clarifie, j'ai l'impression. Oui, Hein? aussi, ça verbalise. Comme si avant c'était pas clair, mais après Oui, avec oui. le vrai pourquoi je et ce qu'il y a derrière, bah, tout Oui, s'éclaircit, quoi. tout à Hein? fait. Oui, C'est tout à ça. fait. Ça verbalise, ça met en avant les choses. Ouais. Bah, merci, gratitude pour ce beau témoignage. Je te fais un gros Merci à câlin. toi. Merci. On a fait plein de câlins cette semaine. C'était comment les câlins? Puissant. Puissant, c'est vrai. Et puis, on en demande, quoi, le matin, on a envie d'avoir son gars. Je te redonne le micro pour qu'on t'entende bien. Ah, Oui, il faut le laisser là. Ouais. On en redemande des câlins, oui, tu dis? oui, on demande les câlins. C'est vrai que maintenant, on se croise, on se fait des câlins. Alors qu'au départ, ce n'était pas forcément ce qu'on fait, ce que je voulais, ce que je faisais. J'ai un peu de. Enfin, je sens que j'ai de la distance un petit peu par rapport aux personnes que je ne connais pas. Et en fait, là, après, on n'a plus de distance, en fait. Mais bon, dans la Un côté bienveillance. famille, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Il y a eu bienveillance et gentillesse alors Beaucoup, dans le beaucoup de. cadre, Ah oui, ouais. vraiment, T'as c'est la senti? base de tout, le système, en fait. Ce que tu as mis en place, toi, Oui, c'est vrai. C'est la c'est ta base du base du système. système, et du coup, tout le monde est dans cette énergie. Dans le cadre, Voilà, gentillesse, exactement, bienveillance, oui, dans le communication non cadre violente, aussi. amour et abandon Voilà. et don de soi. Et c'est tout à fait ce qui se passe là, cette semaine. Voilà, ça s'est passé comme ça. Du coup, c'est agréable. Tout à fait. Oui, c'est plus qu'agréable, c'est riche. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien au cœur et à l'âme. Oui, gratitude, je t'aime, merci. Merci Il à y a plein toi. de gratitude, tu Gratitude. sens ça. Oui. La gratitude qui explose. Merci, Merci je beaucoup. t'aime. Merci. Je t'aime. Merci. On va dire merci au public qui nous regarde. Ah, c'est la caméra là. Là. Elle est là. Coucou. Bonjour public. Il faut garder le micro si tu veux dire bonjour Bonjour quelque chose. public. Bonjour public, bonsoir. À bientôt. Merci.